Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Nouvelle vidéo, on va les gacha des puces de la ceinture là. Je sais pas c'est quoi le mieux à faire. Parce qu'on va le faire en fait, parce qu'évidemment c'est le premier jour de la mage. Donc j'ai pas les trucs. Ah mais je peux en acheter en gold. Yes, confirmé, let's go. Ok, je peux pas le racheter en gold. Par contre là je peux, yes, confirmer l'achat de cet outil, yes, en gold. Ça m'éimbe. Et de toute façon, ça, vous en avez en faisant les batailles pour la survie, échange des prouesses et dans les coffres de points de service, mes couilles et tout. Et celui-là, opération de zone, échange des prouesses. Donc voilà, vous pouvez les obtenir en free-to-play quand même. Et bah en vrai, le truc, c'est qu'il y avait des bleus qui étaient intéressantes aussi à avoir. Les bleus étaient intéressantes. Et en vrai, la plupart de celles qui vont m'intéresser, c'est celles pour Warrior. Enfin, celle pour prendre moins de dégâts ou quoi. Après, un coup critique augmente vos chances de crit. Celle-là, elle est pas mal en vrai, j'aime bien. Celle-là aussi, celle-là pour... je pense pas former les boss, mais celle-là pour former les boss ou même pour jouer et tout. 11% bonus de dégâts, bon voilà quoi. Lorsque d'autres un peu touchent la cible... En vrai, il y en a tellement que j'aimerais avoir. Et en même temps, je sais pas c'est quoi le plus OP. Donc c'est quoi on va tenter. C'est 800 en fait par tirage là, donc on va y aller mollo. C'est 800 faits de directement pour tirer, composant avancé. Donc ça c'est le truc pour level up la puce. On a une nouvelle puce, armure de contre-attaque. Lorsque vous êtes attaqué, vous avez 10% de chance de réduire la puissance d'attaque de l'agresseur de 2 pendant 5 secondes. 10% de chance. Oh, Il y a un truc doré. Partagez le chat quand. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Augmente la réduction de dégâts de 1,3%. Après chaque dégât subi peut être cumulé jusqu'à 10 fois et peut faire gagner. Wow. Putain, il est trop bien celui-là. Cet effet disparaît après avoir quitté le combat pendant 3 secondes. Et celui-là, il est yinde. J'aime bien, hein. Celui-là, j'aime bien. Alors, nouvelle puce. Lorsque vous utilisez des armes non létales comme en principal, le coup... Dégâts de mêlée, celle-là, elle est sympa, en vrai. Composant premium, composant avancé, puce obtenue, expert en force spéciale. Ah, j'ai pas eu de violet ou quoi, là. Ah oui, ok, d'accord. Donc tu peux claquer 800 fêtes comme quoi, hein, c'est ce que j'avais dit quand j'ai fait la vidéo découverte. C'est que tu peux, du coup pour le coup, pour une fois c'est pay to fast et pas pay to win. Dans le sens où bah, tout le monde aura les puces au fur et à mesure. Mais tu peux speed le truc et les avoir plus rapidement. Réduit le temps de récupération de l'arme à feu actuelle. Ouais, celle-là elle était pas incroyable je crois. Celle-là était pas incroyable. Et dans la recherche de base... On est d'accord que c'est les mêmes puces que dans celle-là. Mais j'ai juste pas les dorés. Ouais, c'est les mêmes puces, mais juste t'as pas les dorés. Et t'en as 2-5 des petits composants. Et là t'en as 4-8. Ah oui, 4-8 des dorés aussi, ok. Et là en fait, le truc c'est que c'est moins cher parce que c'est que 400 faits d'ici. Ok, composant de base. Nouvelle puce. Lorsque les dégâts reçus une seule fois dépassent. Ah bah c'est la seule que j'en ai rien à faire. Vraiment, c'est absolument la seule. On va tenter là-dessus. Il y a Peuil de Doré, je crois, défense du mur de force que dégâts subis. Bon, là, on l'a eu en deux fois, du coup, ce qui est pas nouveau. Nouvelle puce, frappe longue portée lorsque vous attaquez des ennemis ayant de plus de 200 points. On sait pas ce que c'est 200 points. La chance de crit augmente de 10% et dégâts attaques augmente de 5%. Vous savez quoi, on va faire un truc. C'est que. Contrôle. C'est où le français? C'est dans l'écran. Écran, on va se mettre en English. Je vais redémarrer le jeu. On va redémarrer le jeu, on va essayer de choper la bonne traduction et voir ce que ça donne. Hop. This process does the news. Ah oui, il y a une petite mise à jour là, téléchargée. Peut-être la mise à jour qui a fait que j'avais pas la Scar Collector qui est enfin de tomber. Ah, vous êtes sûr tu es avec Facebook. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hop. Et on va voir ce que ça donne du coup, parce que 200 points de quoi? C'était laquelle déjà? C'est une violette? C'est une violette je crois. Beyond 200. Ah, ça doit être 200 mètres, ok. C'est quand t'attaques des ennemis de moins de 200 mètres, d'accord, ok. Donc en fait faut être proche de l'ennemi, ok. Ok, je vois le bail, d'accord. Donc en fait c'est mal traduit en français et en anglais. Et il y a eu que du bleu.
Gagne 8% de bonus de dégâts quand tu es quand t'es enseignement. Et ensuite ça te restaure 10 HP quand tu te soignes. C'est pas mal pour Wador. Ok, par contre t'es limité par jour au nombre de tirages que tu peux faire, je crois. Ouais, voilà, je suis à 20 sur 50. Attends, je veux voir, j'ai claqué combien de... Ok, non, c'est bon. En fait, mine de rien, ça part très rapidement. 800 fêtes à coup de 800 fêtes comme ça. Ça part giga rapidement. Est-ce qu'on va avoir un truc bien? On a eu du violet. Composant. Nouvelle puce. Gagne 10% de bonus dégâts. Damage réduction est réduit par 8. Celui-là, il est pas mal en vrai. Par contre, damage reduction is reduced by 8. Mais attends, mais ça veut dire que je perds 8% de... Attends, damage réduction. Là, je suis à 181,8. Et change. Non, c'est dans l'autre, c'est dans celui-là. J'étais à 81,8. Et on va passer à... J'ai bien mise. Ah ouais, donc tu perds la réduction de dégâts. Ouais, c'est pas ouf en vrai. Pas ouf, je suis un peu déçu. Bah ok, là on a que du bleu. Alors je crois que s'il n'y a pas écrit c'est nouveau, c'est pas nouveau. Il me semble que c'est comme pour les formules. Tant qu'il n'y a pas écrit nouveau, c'est pas nouveau. Hop, on va se barrer. On va tenter là-dedans, parce qu'il y en a quand même des intéressantes en pas rares. De toute façon, on en a que du bleu. Ok, après je trouve que cela, pour moi, ça vaut pas le coup de le faire. En vrai, c'était pay to win, tu vas direct là-dedans. Hein. Ça a rien de s'emmerder. On a eu du violet. Est-ce que ça va être nouveau ou pas? C'est nouveau. Quand on est en train de courir, l'énergie, le coût de l'énergie est réduit par 13%. Et t'as 10,5% de damage réduction quand tu cours. Ah, quand t'es en état de sprint. Ok. C'est pas mal en vrai. Un peu situationnel, mais intéressant. Vas-y, on en refait un. En fait, on a une fois du doré, hein, comme quoi vous voyez qu'on a rien doré. S'il te plaît, un truc bien. S'il te plaît, je sais plus c'est lequel que je voulais. Il y en a un qui était vraiment bien, mais s'il te plaît, celui-là. Bon, celui-là, il est naze. Après un coup critique, dans les 5 secondes, augmente la chance de crit de 13%. Celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est bien. En vrai, celui-là, il est bien. Celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le kiffe. Pour tout, en fait, il est bien. Pour tout, il est vraiment bien. Trop bien. Trop bien. Le crit de combo, il fait vraiment plaisir. Ok, que du bleu encore une fois. Est-ce que c'est une nouvelle puce ou pas? C'est même pas une nouvelle puce en plus. Je suis dégoûté, sa mère. Par contre, celui-là, il est bien. J'ai claqué combien de fêtes là, juste pour savoir? Oui, quand même pas mal. Ok. On va l'équiper. Attendez, j'ai un chat qui gratte. Psst. Et hop. Chip index. Alors, du coup, là, si je l'upgrade, comment ça se passe? Ça me coûte 10, j'en ai 72. Et... Ah oui, c'était un collector sur l'armure que j'ai eu. Boost de damage réduction de 1,3 après chaque fois que tu t'es pris un dégât. Donc quand tu te fais tirer dessus par une arme à feu, très bien. Et ça se stack jusqu'à 10 fois. Donc ça te fait 13% de réduction de dégâts. En fait, plus tu prends de dégâts et moins tu vas en prendre, trop bien. Ça compense un peu le truc des Rifleman où je crois que plus il touche la cible et plus ça fait de dégâts. Et tu gagnes 1,5 de dégâts après le... Après que tu sois atteint, après que tu sois fait toucher 10 fois, ok. On va level up celui-là. Du coup, je pense que c'est ce qu'en jaune qui va augmenter. Donc crit de chance 13% et crit damage 5%. Et mais en fait, ça te dit ce que ça te donne, ok. Ah ouais, non mais l'upgrade il est vraiment bien. Donc là, ça t'augmente juste la chance de crit. Et après le crit damage, ok. Et là, celui-là, si je l'augmente celui-là... Ah ouais, tu passes à 17% de réduction de dégâts. Je vais augmenter celui-là en vrai, parce que là, les premiers jours pour le PvE et tout, ça va être vraiment trop bien quoi en vrai. Knocking out for donate. Non, désolé, je vends un rein. Campus training par une quoi? Ah, c'est la notif en anglais, j'avais jamais vu le jeu en anglais. Deploy. Alors faut que je change du coup là. Celui-là je vais le garder. Celui-là il est naze en fait. Celui-là je... Enfin il est naze. Je suis pas fan du truc.
Booste l'armure par 1 après avoir entré le combat. Ouais, celui-là il était pas incroyable, on va le changer. Et celui-là, lorsque t'as moins de 40% d'HP, je vais le changer aussi, je pense. Quand tu te fais attaquer, t'as 10%. Attendez, celui-là, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien avec. Quand il est augmenté, il y a moyen qu'il soit bien, ouais. Attends. Non, c'est pas celui-là. Change the chip, vas-y. Go upgrade, et là ça fait quoi? Ah, ça t'augmente juste le... Ça t'augmente pas les 10%. Ouais, pas ouf du coup. Pas ouf, pas ouf. Attends, provide hein, for every of current HP increase. Je comprends toujours pas le increase, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin si, c'est que ça augmente, mais que ça augmente comment? C'est quand tu te fais heal? Genre, dès que tu te fais heal, tu vas recevoir de la réduction de dégâts en plus. Ouais, en vrai, elles sont pas incroyables. Je vais mettre celle-là, en fait. Hein. On va garder le truc comme pour l'énergisation, là. Et voilà. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus, du coup. Qu'est-ce qu'il a eu, Hakim? Ah oui, oui, celui-là, ouais. Celui-là, il est bien, ouais. Vrai de vrai, celui-là, il est bien. Bah écoutez, on va chasser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pay to win et tout, mais... Farmez tranquillou, faites vos trucs quotidiens, faites vos objectifs, faites vos fortos et tout. Vous en aurez avec le temps, de toute façon tout le monde les aura avec le temps. Pas besoin de se presser ou quoi. Et voilà, amusez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, salut, bye bye.